Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 8 août 2020 sur l'hippodrome de Deauville. Petit comeback sur le quintet plus de la veille qui se disputait ce jeudi du côté d'Enghien-Soisy. Si Dream de la Serie, le numéro 13, a répondu présent en terminant deuxième, il s'est fait voler la vedette par Donaviva, le 6, remarquablement piloté par Gabriele Gelormini. Turf Sélection et Top Prono indiquent tierce écarté et quintet des ordres, le dernier faisant 354,80 € tout de même. Du côté du concours de pronos gratuits, Cordoc réalise un joli exploit en marquant 604,50 € grâce à un quintet plus accompagné des bonnes bases. Oscar RL et Miel Jaune complètent le podium avec un joli quartet et un total de 566,80 € chacun. Allez, abordons maintenant le quintet plus du samedi 8 août 2020. Sur l'hippodrome de Deauville, le prix de Barneville, troisième course de la Réunion 1, départ donné à 15h15, sera mis en avant. Une fois encore, ce sont 16 galopeurs d'âge qui s'affronteront lors de cette compétition à la location totale de 40 000 €. Sur le parcours des 2500 mètres, la bataille devrait être terrible dans la phase finale. Breath of Fire, le numéro 6, est un pensionnaire de la famille Lerner. Avec l'aide de Christophe Soumillon aujourd'hui, cherchant sa course avec application, il devrait logiquement monter sur le podium et même jouer la victoire finale. Checkpoint Charlie, le numéro 1, aura lui l'avantage d'être monté par Stéphane Pasquier. Alors certes, il doit porter 61 kg, mais nous pensons que ce honk de 5 ans est largement en mesure de mettre tout le monde à la raison. Giselita, le numéro 5, est d'elle d'une belle régularité dans l'ensemble. Alain Droyer-Dupré faisant appel au service d'Olivier Pellier, la jument devrait terminer sur le podium. Morzanzis, le numéro 4, sera lui piloté par Vincent Cheminot. Expérimenté puisqu'âgé de 7 ans et sur la montante, il devrait faire plaisir à Yann Barbeau. Mactava, le numéro 9, est lui mis au point par David Smaga, qui connaît toujours une belle réussite sur l'hippodrome de Deauville. Avec l'as à la corde et Christian Demureau aux commandes, c'est un potentiel lauréat. Moonwalk Step, le numéro 11, piloté par l'insatiable Pierre-Charles Boudot, tentera de confirmer son excellent début d'année en terminant une nouvelle fois dans les 5 premiers. En cas de non-partant, Bide Adieu, le numéro 7, notre petit coup de poker du jour, entrera alors dans notre pronostic en 6. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, joli quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.